former les agents de santé sur les droits humains et développer leur leadership dans l'amélioration de la qualité des soins. Tels sont les objectifs du séminaire de formation organisé par l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains. La rencontre s'est tenue autour du thème ⁇ Lutte contre les violations des droits humains en milieu sanitaire ⁇ cas de la corruption. Le personnel de santé a été invité à faire preuve de professionnalisme, de responsabilité, de compassion, mais surtout de travailler avec le cœur pour faire des centres de soins un lieu de convivialité. Certains agents de santé ont été interpellés, ont été reconnus coupables de malversation, d'autres de détournement de médicaments à leur profit, d'autres de détournement de malades au profit des, des cliniques UP. Et ça nous a interpellé. On s'est dit, non, euh, l'État investit des milliards, aussi bien dans la réhabilitation des infrastructures que dans la formation des agents de santé. Donc, il est bon, important de pouvoir leur rappeler cela. Dans la santé, c'est vrai, on dit le mot corruption, corruption, il ne doit pas y avoir de corruption parce que la vie ne peut pas se monnayer. Quand on est dans la santé, il y a un seul objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui viennent vers vous puissent être sauvés. Après cette étape, d'autres séances de renforcement de capacité sont prévues. Les formations vont s'étendre dans plusieurs centres de santé et CHU.